Could we quickly test the audio of Mr. Joao Gomez Carvinho? Yes, I'm here online. Very good, thank you. And Ms. Andrea Meza. So, thank you so much. And now we go to the first panel. What do we know? Merci. Panel 1, que savons-nous? Changement climatique, insécurité alimentaire et mobilité humaine et le rôle des océans, de l'eau et de la terre. Nous accueillons trois intervenants. Tout d'abord, Monsieur João Gomes Cravinho, ministre des Affaires étrangères du Portugal, qui participe à distance. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Thank you very much. Good morning. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour à toutes et tous. Mesdames et messieurs, l'intersection entre toutes ces questions, changement climatique, insécurité alimentaire et mobilité humaine, ne doit pas être surestimée. Cette question va rester là pendant longtemps. Ces dernières années, on pensait que les changements climatiques ne concerneraient que la génération future. Nous n'avons pas agi de manière suffisamment déterminée et maintenant, nous comprenons les conséquences catastrophiques qui sont déjà là aujourd'hui. Et ces catastrophes ne vont que s'aggraver. Note positive toutefois, nous notons que ce lien entre migration et changement climatique gagne en visibilité et nous saluons les efforts de l'OIM en ce sens. Le programme 2030, l'accord de Paris, les pactes mondiaux, tous ces textes montrent que la migration passe par une stratégie d'adaptation. En mai, nous avons pu nous mettre d'accord sur des termes concernant la migration et la mobilité humaine. Cela est essentiel pour pouvoir faire face à la complexité qui concerne les déplacements de population. L'année dernière, la Banque mondiale a estimé que 26 millions de personnes pourraient devenir des déplacés climatiques. Et en Afrique du Nord, ce chiffre concernait 19 millions de personnes. Même si la plupart de la mobilité humaine se fait à l'intérieur des frontières, un nombre croissant de personnes devront franchir des frontières internationales, comme M. Vitorino vient de le dire. D'après les informations de 2022 des Nations Unies, environ 40% de la population mondiale vit dans des pays extrêmement vulnérables au changement climatique. Ces personnes auront besoin de protection. Mais d'après le Centre mondial sur le déplacement, plus de 60% des nouveaux déplacements sont la cause de changements climatiques. Et l'OHCR confirme ces chiffres. D'autres études montrent que les catastrophes climatiques coûtent 250 milliards de dollars par an. L'orateur se reprend, 520 milliards de dollars par an. En 2022, le Portugal a connu l'un de ses plus chauds étés et de nombreux incendies. En juin de cette année, 96% du pays connaissait une sécheresse grave ou sévère. L'eau salée vient contaminer les réserves d'eau potable et cela pose également problème pour l'irrigation et l'agriculture de manière plus large. Les moyens de subsistance des populations sont touchés par ces changements et cela vient fragiliser des systèmes économiques parfois déjà fragiles. Le manque d'eau, la hausse du niveau des océans,
entraîne une diminution de la production agricole dans des régions où elle est particulièrement importante. Les zones côtières, en particulier les petits États insulaires, subissent les effets de l'acidification des océans. N'oublions pas les difficultés qui s'aggravent, particulièrement s'agissant des questions énergétiques. Et tout cela est directement lié à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela est également lié aux effets de cette action et n'ont rien à voir avec les sanctions qui ont été prises. Nous devons rester vigilants afin que la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie ne fasse pas augmenter de manière déraisonnable les niveaux de pauvreté. Pour combattre l'insécurité alimentaire, nous devons aider les agriculteurs à pouvoir planter pour la prochaine saison et nous devons pouvoir permettre que l'agriculteur puisse se poursuivre en Ukraine malgré la guerre. Mettre un terme comme cela a été dit par la partie russe à l'accord de la mer Noire mettrait davantage de personnes en danger. Nous avons besoin de stratégies qui savent faire l'équilibre entre l'urgence et la durabilité afin de pouvoir permettre au pays de pouvoir produire sans mettre en péril leur avenir. À la prochaine COP27, nous devrons aller dans le sens des accords pris à Paris. Une transition ambitieuse pourrait créer 85 millions d'emplois supplémentaires en 2023. Promouvoir une transition verte doit aller de pair avec le travail décent et la protection sociale, ainsi que la lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que nous soutenons pleinement des initiatives comme l'accélérateur mondial de l'OIT en faveur de la protection sociale pour un travail juste. Tout en luttant contre les changements climatiques, nous devons redoubler d'efforts pour permettre une migration surordonnée. La mobilité humaine est une stratégie d'adaptation et de survie naturelle. Face aux réalités démographiques et du marché du travail, y compris pour les personnes frappées par les différentes crises et situations de dégradation environnementale, nous devons agir et nous saluons l'action du directeur général de l'OIM qui met en avant l'action de l'OIM avec l'adoption d'une stratégie institutionnelle sur la migration et les changements climatiques de son 2021-2023. Notre riposte doit s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'OIM, notamment en élaborant des stratégies relatives à la mobilité en gérant la migration dans le contexte des changements climatiques. Deuxièmement, en aidant les personnes en déplacement, en concluant des accords de mobilité de main-d'œuvre, en facilitant l'accès au regroupement familial, entre autres mesures. Troisièmement, en aidant les personnes à rester chez elles pour que la migration soit un choix et non une obligation, en faisant face aux facteurs qui poussent les gens à se déplacer. Nous encourageons l'OIM et tous les partenaires à poursuivre leur action dans ce domaine, car cette préoccupation va prendre de l'ampleur. Tous les travaux menés permettront de disposer davantage d'éléments pour agir.
Mon pays œuvre en faveur de la mise en œuvre du pacte sur les migrations. Nous apportons des contributions positives grâce à ce texte dans les pays d'origine et de destination. Nos actes et nos contributions sont l'une des manifestations de notre engagement à la réalisation du programme 2030 après l'adoption du pacte pour des migrations surordonnées régulières. Nous avons mis en œuvre un plan d'action. Et maintenant, 96% des mesures de ce plan, 3 ans après son adoption, sont déjà en vigueur ou ont été accomplies. Et des mesures ont été prises ce printemps pour examiner la mise en œuvre du pacte en consultation avec un large éventail d'acteurs. La migration a des effets sur les changements sociaux. Entre 2013 et 2019, une hausse de 75 000 personnes ont entré dans le pays. Et le nombre de demandes de nationalité a augmenté. Et ce taux de naturalisation est le troisième taux de naturalisation parmi les pays de l'OCDE. Et le taux de participation des migrants est particulièrement important sur le marché du travail. Le taux d'emploi des migrants en Portugal est de 8,3. Et c'était, même dans un contexte difficile, une décision politique. Et nous avons dû prendre des mesures ces dernières années, notamment liées à la pandémie de COVID-19, qui nous imposait de prendre certaines mesures, mais nous avons décidé de maintenir notre engagement en faveur d'une approche humaniste en matière migratoire, malgré les difficultés liées à cette crise sanitaire. Nous avons accordé un accès universel à la vaccination contre la COVID-19, qui a permis de vacciner 600 000 migrants, y compris sans papier. Des contrats de mobilité humaine ont été conclus avec des pays partenaires pour faciliter une migration sûre, y compris avec des pays membres de la communauté et des pays lusophones. 186 000 permis de séjour ont été automatiquement renouvelés depuis le début de la pandémie, indépendamment du statut migratoire de ces personnes. Comme suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons accueilli des réfugiés ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants. Les effets néfastes de la dégradation de l'environnement font partie et des facteurs importants de migration, et nous devons redoubler d'efforts pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Nous devons également redoubler d'efforts pour diversifier et faciliter une migration surordonnée et régulière. Et c'est un point sur lequel mon pays est prêt à faire de son mieux et à continuer de participer. Je vous remercie. Thank you so much, Your Excellency. Je vous remercie, Excellence. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Portugal, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Loreta Ribeiro Girardet, chef de la division connaissance des risques, suivi renforcement des capacités du Bureau des Nations Unies pour la prévention des risques de catastrophe. Vous avez la parole, Madame. Je vous remercie. C'est un honneur que d'être ici et je souhaiterais parler un petit peu de ce point, du point de vue de la prévention des risques de catastrophe. Des évolutions alarmantes apparaissent. En 2020, la COVID-19
a aggravé les taux de mortalité et ces taux de mortalité liés à une meilleure prévention des risques et catastrophes avaient pourtant reculé ces 5 dernières années. Les changements climatiques sont le principal facteur de risque et 89% des catastrophes sont liées à des événements climatiques extrêmes. La fréquence et l'intensité des dangers a augmenté et la vulnérabilité des personnes et des lieux est de plus en plus visible. Un exemple récent, le Pakistan, les provinces les plus touchées par les inondations ont reçu 8 fois plus de pluie que d'habitude. Améliorer les systèmes de drainage, préparer les routes, les habitats permettront de réduire les risques de catastrophes à l'avenir. Mais comme partout ailleurs, la réduction des risques a des effets et cette prévention n'est pas une priorité suffisante. On estime 1,6 milliard de personnes vivent déjà dans des situations extrêmement exposées au changement climatique. Ici en Europe, on a connu des chaleurs importantes et des incendies de forêt, mais les pays les plus exposés sont des pays qui subissent déjà nombre d'autres menaces. Les 25 pays les plus vulnérables au changement climatique sont pour la moitié déjà touchés par des troubles civils ou le conflit. Par exemple, l'Afghanistan, pays où j'ai vécu et travaillé pendant plusieurs années. Depuis 1950, les températures ont augmenté d'1,8 degré et le pays est extrêmement exposé aux inondations, à la sécheresse et à une forte dégradation environnementale. Une mobilité non gérée est l'un des mécanismes liés à ces conséquences et ceux qui ne se déplacent pas subissent les conséquences du stress environnemental sur leurs moyens de subsistance, ce qui entraîne une forte insécurité alimentaire. Les populations sont extrêmement exposées aux catastrophes. Environ 143 millions de personnes au Bangladesh vivent dans des zones extrêmement exposées et la différence, c'est qu'au Bangladesh, ils ont pu mettre en place un cycle de préparation, alors que Haïti, comme d'autres pays, a encore besoin de beaucoup d'aide pour pouvoir protéger sa population contre les futurs effets des changements climatiques. Nous sommes confrontés à une augmentation des risques à un moment où l'adaptation n'est absolument pas adéquate. Nous savons que les conséquences se font ressentir au niveau local. Ce sont des événements de forte intensité qui mettent nous n'entendons pas parler de tous ces petits événements dans les médias internationaux, mais les effets cumulés, par exemple, de ces tornades sont ravageurs. Nous pensons que la sécheresse augmentera de 30% d'ici 2030 et les événements de température extrême augmenteront également d'ici là. Et tout cela vient peser sur la prévention des risques. Par exemple, s'agissant de la gestion des sécheresses, l'Afrique subsaharienne connaît plus d'un tiers des cas de sécheresse extrême et dépend essentiellement d'une agriculture fondée sur les pluies. Et les sociétés, les écosystèmes peuvent subir des conséquences sur un beaucoup plus long terme que ce que l'on ne croit de ces problèmes climatiques. On doit davantage mettre l'accent sur une gestion des risques proactive
notamment par un renforcement de la coopération entre différents secteurs et à des échelles différentes. Il faut anticiper, agir en amont, et cela coûte beaucoup moins cher que si l'on réagit une fois que la sécheresse est là. Nous avons donc besoin de passer à un autre paradigme, à savoir anticiper et prévenir plutôt qu'agir dans l'urgence. Nous devons prendre d'autres mesures pour faire face aux difficultés qui nous attendent. Tout d'abord, nombre d'événements extrêmes peuvent être prévus à l'avance, ce qui permet aux personnes d'évacuer en toute sécurité. Toutefois, la moitié des pays à l'heure actuelle n'ont pas de système d'alerte précoce, ce qui signifie que, en particulier dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins développés, n'ont pas suffisamment de tels dispositifs. Et un pays africain sur six n'a pas de tels dispositifs. Et cela n'est pas acceptable. Nous savons qu'une alerte précoce de 24 heures peut réduire de 30% les dommages et préjudices. C'est également une mesure d'adaptation la plus efficace et qui présente un retour sur investissement d'un pour 10. Une alerte précoce devrait être lancée à la COP27 et l'idée de pouvoir accélérer ces dispositifs ces prochaines années. Je tiens également à insister sur l'importance de travailler avec le secteur privé pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous devons agir ex ante avant la catastrophe pour éviter les déplacements. Ces déplacements sont alimentés par des épisodes extrêmes et cela devient endémique dans bien des régions du monde. 3 fois plus de personnes sont déplacées aujourd'hui en raison de catastrophes climatiques qu'auparavant. Bon nombre de ces crises extrêmes, cyclones ou autres, sont récurrents. Les mêmes populations donc, qui perdent leurs moyens de subsistance perdent leur vie également. Lorsque je travaillais à la prévention du risque au bureau Asie-Pacifique, aux Philippines, certaines personnes avaient été déplacées plusieurs fois. J'ai constaté que les systèmes d'alerte précoce et les mesures de prévention peuvent prévenir cela. Un exemple, en Mongolie, où une assistance en espèces a permis pendant une sécheresse d'aider les paysans à faire face à ces impacts pour ne pas qu'ils soient forcés à se déplacer à Ulaanbaatar. Ces expériences m'ont mené à travailler avec nos collègues de l'OIM et une douzaine d'autres agences en Asie du Sud pour savoir comment rallier nos forces pour faire face aux déplacements avant même que cela ne se produise pour limiter ces épreuves. Ces partenariats sont essentiels. UNDRR ainsi que 13 autres agences ont établi donc des centres d'excellence pour la résilience climatique. Nous estimons tous qu'on ne peut faire cavalier seul pour résoudre cette crise. Ce centre rassemble le développement, les spécialistes en gestion de crise, en prévention, en secours, en développement, donc pour travailler ensemble. Notre point de départ est que la résilience exige une démarche de tous les gouvernements, de tout le gouvernement et de toutes les communautés, d'éviter le fonctionnement de façon isolée. Il faut donc travailler ensemble, notamment dans les contextes fragiles et très vulnérables. À la COP27, le centre publiera un rapport qui s'intitulera « Ne sortir du précipice pour minimiser les pertes face au changement climatique ». Nous constatons qu'il faut vraiment se concentrer sur un dénominateur commun, donc diminuer la vulnérabilité. En plaçant la vulnérabilité au centre même de nos interventions, nous pouvons donc sortir des compartiments dans chaque discipline. En pratique, cela veut dire reconnaître de façon conjointe les plus vulnérables et veiller à des démarches conjointes. Nous estimons que cet effort ainsi que la mise en place d'activités à l'échelon local pourront apporter de bons résultats et devront être mises à l'échelle, notamment dans les contextes fragiles. Pour ce faire, nous devons
préconisé une augmentation du financement climatique vers les contextes fragiles et vulnérables. Nous ne pouvons reposer sur les ressources humanitaires pour faire face à l'augmentation de la résilience nécessaire. De nouvelles mesures sont nécessaires, et notamment dans les pays aux premières loges, notamment dans le cadre d'insécurité alimentaire. Enfin, j'aimerais partager avec vous le fait que le centre et l'UNDR lancent un nouvel événement. Et ces événements ne doivent pas être catastrophes, ne sont pas obligés d'être des catastrophes qui sont à la fois une convergence de vulnérabilité et de facteurs divers. Il faut travailler par le biais d'alertes précoces, adaptation, prévention des catastrophes. Et nous avons déjà les outils à disposition. Nous avons besoin de davantage de volonté politique pour y parvenir. Merci. Merci infiniment, Loretta. Nous allons entendre la dernière intervention de ces remarques limitaires. Il s'agit d'Andrea Mesa-Morillo, secrétaire exécutive adjointe à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle se joint à nous en ligne. Andrea, c'est à vous. Merci. Nous ne vous entendons pas, Andrea. Nous ne vous entendons pas, Andrea. Il doit y avoir un problème de connexion, Andrea. Une minute, nous allons essayer de régler ce problème. I hear that I see on the chat box that online is perfectly clear. Alors, je vois que l'intervention en ligne est tout à fait claire. Il doit y avoir un problème donc de connexion à la salle. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. So now we know that the testing goes up to 3. Good, very good. You can hear now. And now, can you hear me now, Antonio? Vous m'entendez maintenant? Parfait. Ça y est, c'est très bien. C'est un véritable honneur et plaisir d'être parmi vous, ne serait-ce que virtuellement. Et j'aimerais présenter une perspective différente pour alimenter cette discussion. Notamment, je voudrais saluer votre effort et d'avoir organisé ce dialogue à point nommé. Je voudrais m'associer à bon nombre de points soulevés par la ministre, mais par Loretta également. J'avais préparé un discours, mais j'aimerais me détourner un peu de ce discours pour présenter des exemples concrets de la dégradation terrestre et la façon dont cela est un élément clé à la désertification. Et il s'agit de renforcer la résilience, la restauration des terres, protéger la nature, avoir de bonnes pratiques de gestion hydrique. C'est cela qu'on veut dire quand on parle de résilience. Et le premier message clé, c'est que cela joue un rôle essentiel. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que cette relation avec la nature, on n'est pas sur la bonne voie. Nous le savons, près de 40% de la Terre planétaire est dégradée et cela est directement en lien avec l'humanité et cela menace le PIB mondial. Cela veut dire qu'au final, ce que l'on
on observe, c'est que si l'on continue dans cette voie, on obtiendra plus de dégradation de terre et cela provoquera davantage de migration. On l'observe dans toutes les régions du monde, au Sahara, dans les corridors secs d'Amérique centrale. Mais c'est un autre point que je voudrais soulever. Si l'on continue dans le scénario de l'inaction, en 2050, une dégradation supplémentaire de la taille de l'Amérique du Sud. Donc, je le répète, toute l'Amérique du Sud, une surface de la taille de l'Amérique du Sud sera dégradée en supplément. Donc, ils ne pourront pas garantir la sécurité hydrique et alimentaire sans une terre et un terrain sain. Voilà les éléments qui pourraient être des mesures très rentables pour se lancer et se tourner dans la résilience dans différentes communautés du monde. Nous savons que le changement climatique converge avec d'autres tendances et qui augmente la sécheresse. Nous avons une dégradation de la terre dans certaines régions. En plus, cela crée des répercussions sur la sécheresse. Le changement climatique provoque, nous le savons, plus de sécheresse et des fréquences supplémentaires des sécheresses qui augmenteront. On a entendu les interventions précédentes, ce sera l'un des éléments que nous entendrons sans discontinuer. Donc la science est claire sur ce point. Donc il faut savoir que la sécheresse n'est pas simplement l'absence de la sèche, c'est aussi la mauvaise gestion des terres. Donc nous avons des liens qui sont extrêmement profonds et il faut continuer d'investir dans la restauration des terres liées aux sécheresses et protéger la nature par le biais de bonnes pratiques de gestion des terres. Il existe un grand nombre d'éléments qu'on entend, par exemple, le changement climatique devrait augmenter la fréquence des sécheresses d'ici 2030. La sécheresse déplacera 70 millions de personnes rien qu'en Afrique. Ce sont des chiffres qu'on entend sans cesse. Donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, il s'agit d'arrêter ce cercle vicieux de dégradation des terres qui mène à la migration et nous devons commencer à investir dans la résilience. On constate que la restauration des terres aide les communautés vulnérables à s'adapter à la sécheresse, augmenter l'agriculture, l'infiltration. Et la restauration des terres peut être extrêmement rentable pour faire face à ces crises multiples. Alors, on entend parler de crise climatique, de biodiversité, et l'on sait que la terre est le lien opérationnel entre ces contexte, donc il faut investir dans la restauration des terres. C'est un scénario gagnant-gagnant car cela contribue à l'amélioration de la résilience des différentes communautés. Alors, une des bonnes nouvelles que l'on observe, c'est que il existe un grand nombre de projets de restauration des terres très réussis en Afrique, en Asie, en Amérique latine, avec de faibles investissements qui apportent des avantages multiples. Donc, il est critique de mobiliser davantage de ressources pour l'adaptation et pour continuer de travailler de façon intégrée pour rompre les silos, les compartiments. Et je rebondis sur ce qu'a dit Loretta en ce qui concerne l'importance du travail à l'unisson dans nos agences. Cela m'amène au point suivant et cela me permet de saluer l'initiative qui sera lancée par le gouvernement de l'Espagne et du Sénégal à la COP27 pour consolider l'alliance de résilience. Il faut donc continuer de travailler au sein de cette plateforme de collaboration pour catalyser cet élan vers cette
plus grande résilience et mobiliser les ressources pour lutter contre la sécheresse et augmenter la résilience à ces pays. Il faut donc revenir sur ce qu'a dit Loretta. Il faut arrêter de réagir et passer à une démarche volontariste et préventive. Il s'agit donc de travailler de concert avec d'autres initiatives et mettre en place des systèmes d'alerte précoce. C'est un élément clé de l'initiative et il faut savoir quels sont les événements quand on reçoit l'information, connecter cette information avec les producteurs et faciliter la mise en place de mesures, restauration des terres, la bonne gestion des terres à l'échelon communautaire. Donc, et bien sûr, dans un cadre politique solide, il est essentiel, comme on le sait, de continuer de renforcer et de générer ces cadres d'orientation. Donc, il s'agit de bien comprendre qu'il s'agit d'une question de développement, qu'il faut donc avoir une démarche qui concerne toutes les entités gouvernementales, mais il faut aussi comprendre qu'il faut inclure de nouvelles innovations. Il est essentiel de continuer la mobilisation du financement, mais nous savons qu'il faudra aussi mobiliser le secteur privé. Ce n'est pas chose aisée. Toutefois, il faut inclure les innovations dans ce programme pour inclure les parties prenantes et augmenter la résilience. Donc, en quelques mots, investir dans la restauration des terres, c'est une mesure très rentable pour renforcer la résilience. Nous devons absolument investir dans la résistance de la face à la sécheresse et travailler à l'unisson pour mettre en place des mesures nécessaires. Et au sein de notre organisation, nous saluons toutes ces initiatives et nous sommes là pour travailler avec vous tous. Et je vais conclure maintenant. Antonio, je vous rends la parole. Merci. Oh, merci de ne pas avoir lu, madame. Merci, Andrea. Je crois que le scénario est clair. À présent, je vais ouvrir la parole à la salle. Andrea va gérer les interventions. Merci, nous avons actuellement 4 interventions dans la salle. L'ambassadeur de Turquie, suivi de l'ambassadeur des Maldives. Ambassadeur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président de séance. J'aimerais saluer Son Excellence, le ministre du Portugal, Madame Loretta, Hubert Girardet, Madame Messa, mais aussi le directeur général, Monsieur Vitorino, d'avoir organisé cette réunion fort importante. C'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. La Turquie est le plus grand pays hôte de réfugiés dans le monde et il contribue à la gouvernance à tous les niveaux et nous continuons de soutenir les efforts de l'OIM dans ce domaine. Puisque la migration est un phénomène complexe, mondial, il n'est pas réaliste d'écarter les causes profondes en utilisant des politiques d'externalisation, le déplacement des responsabilités, voire de repousser ces personnes. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire est devenue l'un des éléments de paix les plus critiques dans le monde. En outre, l'insécurité alimentaire peut être également perçu comme un des facteurs de migration. Hélas, la guerre en Ukraine a encore une fois montré à quel point notre monde est lié entre eux. Alors que la guerre en Ukraine a des répercussions sur tous, nous estimons que plusieurs domaines, l'énergie, les transports et l'agriculture, sont frappés de plein fouet. L'insécurité alimentaire, la crise énergétique, les engrais, le
chômage, l'inflation mondiale se font ressentir dans toutes les économies. Notre position reste constante depuis le début du conflit. Nous restons engagés à l'indépendance et la souveraineté et l'intégrité du territoire ukrainien et nous avons dialogué avec les deux camps de façon diplomatique pour mettre fin aux hostilités. La Turquie a été médiateur des exportations de céréales de l'Ukraine. Cela représente des exemples concrets de notre présence dans ce domaine. Grâce à cet accord, plus de 8,5 millions de tonnes de différentes céréales sont arrivées sur le marché mondial depuis le 1er août. C'est une grande réalisation qui a permis de diminuer l'insécurité alimentaire et les préoccupations de la faim dans le monde et limiter l'inflation. Ainsi, les pays avec les revenus les plus bas ont pu avoir un meilleur accès à ces produits. Des millions de personnes dans le monde ont bénéficié directement ou indirectement de la répercussion positive de cette initiative. Bien sûr, aujourd'hui, la priorité et d'offrir donc la même opportunité pour les 4 mois à venir. Nous avons intensifié nos efforts pour arriver à cet arrangement. Toutefois, dans l'intervalle, nous tentons également de faire face à des problèmes d'exportation d'engrais et nous tentons de travailler dans ces deux voies. Ce serait une grande aide apportée à la sécurité dans le monde, la sécurité alimentaire. L'initiative de la mer Noire est un exemple d'effort collectif pour pouvoir mettre en place des mesures pour soulager la souffrance de millions de personnes en situation de vulnérabilité. Le changement climatique est un défi qui ne peut être ignoré. Ces événements sévères climatiques affectent tous les pays, quelle que soit la taille de leur territoire, de leur population, de leurs économies. Certains intervenants l'ont indiqué. Nous avons constaté les effets dévastateurs des inondations au Pakistan, mais également, mais mon pays a également envoyé de l'aide pour appuyer les efforts du Pakistan. Et nous continuerons dans cette lancée. Le changement climatique doit être perçu en tant que multiplicateur de risques. Nous estimons qu'il est urgent de lancer l'adaptation et la résilience pour appuyer ces pays. Et cela doit être vu à l'aune de la justice, car la plupart de ces pays sont confrontés à des conditions catastrophiques . Nous devons être justes dans la consommation de carbone également. Donc, c'est une responsabilité commune. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, par manque de compréhension collective, nous constatons que bon nombre de mesures humanitaires sont sous-financées. Des politiques discriminatoires entre les réfugiés et les autres populations continuent d'être mises en place et nous nous levons contre ces discriminations face à des personnes en situation de désespoir. Nous devons prendre des mesures collectives pour traiter les causes profondes de ces migrations. Ainsi, sans ces mesures, nous n'observerons pas de diminution de migration. Nous avons donc besoin d'efforts collectifs axés sur les droits de l'homme qui traitent les raisons profondes de cette migration. Le point essentiel
à mettre en place, c'est de mettre en place un partage des responsabilités et donc de ces fardeaux. Merci. Our next intervention from the... Merci. Nous allons maintenant entendre le représentant permanent des Maldives qui est également dans la salle. Merci, c'est à vous. Merci, Président, de me céder la parole. Bonjour à tous. Je voudrais également remercier le DG, M. Vitorino, d'avoir organisé ce dialogue aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que je salue les intervenants distingués pour leur exposé circonstancié sur cette grande question pour comprendre la mobilité dans le contexte du changement climatique. Le GIEC continue de souligner les évolutions dans le monde des systèmes écologiques mondiaux et leur liaison aux mobilités, l'augmentation du niveau de l'eau, l'augmentation des températures ont eu des répercussions profondes sur les populations pour obtenir sécuriser leurs moyens de subsistance et leur vie. Ces conditions climatiques exacerbées contribuent à l'insécurité alimentaire, contribuent à des maladies et ont des potentiels de déplacement de communautés. Selon la Banque mondiale, il y aura 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Nous devons donc mettre en place des mesures immédiates, concises face à ces déplacements. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Maldives continuent de faire face au changement climatique, à l'érosion climatique, à l'augmentation du niveau de l'eau, à l'inclusion de l'eau saline, à l'augmentation de la mousson et des précipitations. Cela mène à des inondations, à des augmentations de cyclones. Et nous avons donc une expérience très proche depuis 2004, un certain nombre d'îles ont dû être évacués depuis et la population s'est réinstallée sur d'autres îlots avec 80% de nos îlots à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer et 98% de notre territoire est océanique. Les Maldives sont vulnérables face aux moindres changements de température et de climat. Les Maldives, toutefois, seront toujours à l'avant-garde pour faire la promotion d'un consensus mondial sur des mesures pour stopper et repousser les changements climatiques. Bien plus doit être fait pour veiller à ce que notre riposte face aux changements climatiques et aux déplacements sont suffisants. Nous en appelons à la communauté internationale pour un engagement et un dialogue multilatéral pour une gestion efficace de la mobilité humaine, notamment dans le contexte du changement climatique. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Next on our list is Nuncio. Nous allons maintenant entendre le représentant permanent du Saint-Siège, suivi du Japon. Excellence, c'est à vous. Je vous remercie. Je salue le directeur général et nous exprimons toute notre solidarité et nos bons souhaits au peuple nigérien, notamment dans le sud de la région où j'ai travaillé personnellement, qui se heurte actuellement depuis plusieurs jours à de fortes inondations qui ont provoqué des perte de vie et de propriété très grave. Je voudrais exprimer le même sentiment au peuple pakistan qui se relève à peine d'une expérience aussi pénible et semblable. Monsieur le directeur général, le pape François a dénoncé à multiples reprises la dégradation ainsi que souligner le lien clair entre l'instabilité environnementale, l'insécurité alimentaire et les mouvements migratoires. Alors que le changement climatique se produit partout, la capacité à faire face et à s'adapter varie. Il est de plus en plus clair que ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables qui sont
affectées de façon disproportionnelle par les crises écologiques et climatiques. Lorsque les personnes sont forcées de fuir parce que l'environnement est devenu inhabitable, cela peut sembler être un processus naturel, quelque chose d'inévitable. Toutefois, la détérioration du climat est souvent le résultat de mauvais choix et de destruction et de égoïsme, de négligence vis-à-vis de notre terre commune. Monsieur le directeur général, tout est lié. Pauvreté, insécurité alimentaire, changement climatique, migration. Au moment où le conflit en Ukraine et ailleurs provoque une inflation des prix alimentaires, il est inquiétant et honteux de voir que certains n'ont pas accès à des aliments suffisants ou le moyen de subvenir à leurs besoins. Le changement climatique possède des répercussions profondes sur la productivité agricole, sur le bétail. Cela provoque souvent des déplacements de personnes entre pays et au sein des pays. Les communautés les plus pauvres, qui reposent sur la productivité des récoltes notamment, ressentent des répercussions plus profondes. Il est important donc de veiller à la résilience des communautés déplacées. Cela peut être fait par le biais de coopération internationale, y compris en encourageant l'adoption de techniques de pêche et d'agriculture durables pour réduire le risque de la dégradation écologique, anthropique et la perte de biodiversité. Ces questions ne sont pas de nature politique ou économique uniquement. C'est une question de justice. Il s'agit d'une obligation morale vis-à-vis des générations à venir. Lorsque nous respectons les libertés fondamentales des personnes, le respect des droits des personnes déplacées, il est important de créer des conditions qui permettent aux communautés et aux individus de vivre dans la sécurité, dans la dignité, dans leur pays d'origine. Au titre du paragraphe 13 du Pacte mondial pour des migrations sur ordonnées et régulières. À cet égard, il est grand temps de reconnaître que quand les personnes fuient, il ne suffit pas d'encourager la coordination accrue entre les parties prenantes en cas de secours et réinstallation. Au lieu de cela, il est nécessaire de refonder la démarche actuelle pour encourager la prévention aux frontières. Sinon, le chaos actuel qui continue à mener aux abus, à la maltraitance, à la violence, coûteront la vie, notamment en Méditerranée. Cela ne fera qu'empirer. Monsieur le directeur général, j'ai le plaisir de dire qu'en juillet dernier, le Saint-Siège, au nom de l'État du Vatican, a adhéré à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris. À quelques semaines de la COP27, comment pourrions-nous harmoniser les approches au niveau international pour garantir que le droit des personnes déplacées en raison des changements climatiques et des catastrophes naturelles soit dûment protégé? Je vous remercie, Monsieur le Directeur général. Thank you, Excellency. Next one, our list. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au représentant du Japon qui sera suivi du représentant de l'Ukraine. Okay. Thank you, DG. Today. Je vous remercie.
Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences ravageuses des changements climatiques. Nombre de points ont déjà été abordés. Toutes ces questions importantes doivent être abordées par la communauté internationale dans son ensemble. Et le Japon souhaite participer à ces discussions qui nous concernent tous. Nous saluons les remarques importantes prononcées par Monsieur le directeur général et d'autres responsables. Nous sommes préoccupés par le nombre croissant de personnes qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire, qui subissent les conséquences d'une conjugaison de différentes crises. Et le Japon, en tant que membre responsable de la communauté internationale, a annoncé en juin de cette année qu'il apporterait une forte assistance humanitaire à l'Afrique pour faire face aux problèmes d'exportation de l'Ukraine. Le Japon continuera d'apporter son aide aux personnes qui en ont besoin. L'année dernière, le Japon a annoncé qu'il s'engageait à apporter un soutien au secteur privé et public sur 5 ans pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences des changements climatiques. Le Japon a également engagé 14 milliards de dollars pour aider les mesures d'adaptation. Dans le cadre de cet engagement pris par le Japon, nous avons déjà décaissé une partie des fonds, notamment 6 millions au fonds d'adaptation. Nous poursuivrons à traduire cet engagement en mesures concrètes. Avec l'OIM, le Japon apporte une assistance aux personnes vulnérables touchées par les changements climatiques afin de réduire les risques de catastrophes et de prévenir les migrations forcées. À ce titre, la déclaration de Sendai est particulièrement importante. Par exemple, au Timor-Leste, nous renforçons les capacités des centres de préparation aux situation d'urgence en Somalie. Nous aidons les communautés vulnérables touchées par les conflits et les catastrophes. Et nous avons des centaines d'exemples de ce type à donner. Le Japon continue à répondre aux besoins urgents d'aide et nous travaillons avec l'OIM en étroite coopération et nous saluons l'intention exprimée par l'OIM s'agissant des liens qu'elle souhaite établir entre changement climatique et mobilité. Le Japon souhaiterait, avec l'OIM, travailler davantage sur les besoins et la prévention du déplacement. Je vous remercie. Thank you, Japan. Our next speaker. Je vous remercie. L'Ukraine, puis l'Irak. Ukraine, thank you, Chair. Dear Director. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, Excellence, je tiens à remercier les panélistes et en particulier Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Portugal qui a soulevé la question des conséquences de l'agression contre l'Ukraine par la Russie sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, cela fait exactement 8 mois que la Russie a engagé cette guerre d'agression non provoquée contre l'Ukraine. Cette invasion a touché plus de 40 millions d'Ukraine, un tiers de la population. 6,2 millions de personnes ont été déplacées en Ukraine et plus de 5,5 millions ont dû chercher refuge à l'étranger. C'est l'une des crises de déplacement les plus rapides et les plus importantes de l'histoire récente. Même si la situation humanitaire reste au cœur de toute l'attention, cette invasion russe de l'Ukraine a des conséquences sur l'économie mondiale. Les effets se font ressentir dans le monde entier, dans nombre de secteurs, énergie, financement, migration, agriculture. Les effets les plus immédiats concernent l'approvisionnement alimentaire et la hausse des prix. Vous vous souvenez comment le blocus sur les ports de la mer Noire a eu des effets. C'était une attaque délibérée contre la sécurité alimentaire mondiale. La signature de l'initiative de juillet a permis de reprendre les exportations
vital à partir de la mer Noire. Et cela a permis de stabiliser les marchés mondiaux et de stabiliser les prix depuis le début. 8 millions de tonnes ont pu quitter les ports d'Ukraine en direction de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Toutefois, cette initiative est menacée depuis plusieurs semaines. La Russie fait tout son possible pour ralentir nos exportations alimentaires. Aujourd'hui, plus de 150 navires attendent de s'acquitter des obligations contractuelles pour pouvoir fournir des produits agricoles. Et cela est lié à l'attitude délibérée de la Russie de ralentir chaque jour qui passe sans qu'un bateau ne puisse quitter le port, accroît la tension alimentaire dans nombre de pays d'Asie et d'Afrique qui importent nos produits agricoles. La Russie rallonge les délais de livraison à l'Irak, à la Chine, au Liban, au Bangladesh, à l'Égypte, pour ne nommer que quelques-uns des pays. Comme le président Zelensky l'a dit au 1er octobre à l'adresse à la nation, le droit à l'alimentation et à la vie exempte de faim sont des droits fondamentaux pour toute personne sur Terre. Et c'est pour cela que la tentative par la Russie d'aggraver la crise alimentaire est également une agression contre le droit de toute personne sur la Terre. Nous prions tous les États membres des Nations Unies de faire tout leur possible pour que l'initiative de juillet soit préservée et puisse être pleinement mise en œuvre. Nous devons mettre la Russie devant ses responsabilités quant au non-respect de cet accord. Et nous soutenons cette extraction au-delà de novembre. Malgré cette agression russe, l'Ukraine tient à apporter son soutien aux personnes qui en ont besoin en fournissant 5 000 tonnes de blé au pays de la Corne de l'Afrique. Les flux migratoires vont augmenter dans le monde. Et les attaques de la Russie contre les infrastructures qui ont détruit au moins 30% de nos installations énergétiques aggravent le risque de déplacement en raison de l'arrivée de l'hiver. Compte tenu de tout cela, nous, membres de l'OIM, devons nous poser la question suivante. Est-ce qu'une décision hâtive d'accepter la Russie il y a 2 ans en tant que nouveau membre de l'OIM a permis la réalisation des buts et objectifs de cette organisation? Ou est-ce que cela a sapé notre capacité à faire face aux difficultés et à empêcher les crises de déplacement actuelles et à venir? Pour nous, la réponse est évidente. Je vous remercie. Thank you, Ukraine. Je vous remercie. Irak. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Mr. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général de l'OIM, de me permettre d'intervenir sur cette question importante. Je tiens à en profiter de la présence d'interprètes arabes pour m'exprimer en arabe. Dans ma langue maternelle, donc. Monsieur le directeur général, honorable auguste auditoire, nous voudrions remercier l'OIM grâce à la présence du directeur général pour les informations importantes qu'il nous a apportées au sujet des effets de changement climatique sur le déplacement et la sécurité alimentaire et également déplacement intérieur-extérieur. Nous aimerions également insister sur ce qui a été dit par les délégués qui m'ont précédé la parole. L'Irak est en transit, est un transit pour les réfugiés et les migrants. Il faudrait redoubler les efforts afin d'assurer une coopération internationale pour prendre des solutions durables pour
faire face à ces phénomènes. Nous saluons M. Antonio Vitorino et nous le soutenons car la situation est grave et il ne faut pas attendre, le temps presse pour faire face à cette situation. Il faudrait que l'on réagisse tout de suite à ces phénomènes naturels. À ce sujet, nous aimerions saluer les efforts internationaux pour renforcer tous les efforts humanitaires afin de faire face au changement climatique. Monsieur le directeur général, selon le rapport GIO 6 de l'UNEP ou le PNUE, l'Irak fait partie des principaux pays vulnérables à cause du changement climatique, étant donné la pénurie en eau et les fortes chaleurs. Et cela va avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire, et sociale et sanitaire. Il faudrait tenir compte que le changement climatique a entraîné également la baisse des pluies, ce qui a ajouté également aux tempêtes de sable et a réduit la production agricole et a également renforcé la pénurie en eau. Cela aura des effets néfastes sur la santé de la population, en plus des secteurs industriels et agricoles. Ces deux secteurs ont leur importance dans le produit intérieur brut et en particulier a des répercussions sur le changement climatique qui a eu une importance sur le déplacement interne en Irak. Le gouvernement de l'Irak, avec la coopération de l'UNEP en juillet 2020 a lancé un plan national pour s'adapter au changement climatique afin de pouvoir faire face à ce défi. Ce projet englobera les efforts nationaux pour renforcer la capacité de l'Irak pour s'adapter et également pour assurer une souplesse et relever la productivité du secteur agricole et soutenir les femmes et la jeunesse afin d'assurer la durabilité de la réalisation des objectifs du développement. Nous avons également, nous sommes joints à la déclaration de Paris pour le changement climatique et l'Irak se lance vers une nouvelle ère qui se base sur le renouvellement de l'énergie pour faire face à la pollution et également au changement climatique. L'investissement et le secteur privé soutiennent la jeunesse et nous soutenons également la femme dans tous ces changements économiques. Mesdames et messieurs, honorables auditoires, le changement climatique et ses répercussions sur le déplacement interne a des effets néfastes sur tous les pays du monde. Mais l'on remarque que les pays qui provoquent ces changements climatiques, c'est les pays qui souffrent le moins de ces effets si l'on les compare aux pays qui en souffrent. Cela nécessite la coopération internationale afin de soutenir les pays qui sont le plus influencés par le changement climatique. Pour conclure, il faudrait que l'on continue d'œuvrer ensemble avec les organisations de l'ONU qui s'intéresse aux réfugiés, aux migrants et soutenir les pays les plus affectés et renforcer leur capacité à faire face à ces crises afin qu'elles ne souffrent pas d'une souffrance humanitaire qui aurait pour répercussion des déplacements et une migration énorme
Et nous pensons que la migration se fait toujours vers les pays qui ne sont pas grandement influencés par le changement climatique et la pénurie en aliments. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. Next on our list. Je vous remercie. Le Niger, en ligne. Excellence, vous avez la parole. Je voudrais tout de suite vous féliciter pour la conduite de cet important panel et puis et féliciter les éminents panélistes pour la qualité des exposés auxquels nous avons eu droit. Ma délégation félicite également l'OIM et particulièrement le directeur général pour son leadership avéré dans la gestion des questions migratoires dans ce contexte de crise multiforme, notamment sécuritaire, sanitaire, climatique, alimentaire et leurs conséquences sur la mobilité humaine. Et à l'instar du reste des États sahéliens, le Niger, dont les trois quarts du territoire sont situés en zone désertique, est classé parmi les pays les plus touchés par les effets du changement climatique. L'écrasante majorité de sa population agricole et pastorale est subie de plein fouet les chocs environnementaux et climatiques qui en sont les conséquences, comme la sécheresse, les inondations, les dégradations des terres, les précipitations irrégulières, la désertification, qui continue d'impacter négativement les rendements agricoles et pastoraux annuels, en plaçant de façon permanente la majorité des populations à la précarité et à l'insécurité alimentaire. À titre d'exemple, cette année encore, les pluies diluviennes et les inondations ont occasionné au Niger près de 200 morts et sinistré plus de 300 000 personnes. Ces différents facteurs, combinés avec l'insécurité qui sévit dans certaines régions du pays, poussent des milliers de personnes à quitter leur demeure, à se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour atténuer les effets globaux des changements climatiques et pour lutter contre l'insécurité alimentaire, le Niger dispose de plusieurs mécanismes, stratégies et dispositifs de prévention, comme le système d'alerte précoce, le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, l'initiative 3N de lutte contre l'insécurité alimentaire liée aux aléas climatiques, la politique nationale d'immigration et j'en passe, l'objectif étant d'accroître la résilience des populations et de renforcer leur capacité d'adaptation. Pour terminer, Monsieur le modérateur, et tout en nous réitérant ainsi qu'aux organisateurs toutes nos félicitations pour cette initiative, ma délégation estime que la coopération internationale doit concentrer ses efforts sur l'appui à des initiatives nationales d'atténuation, d'adaptation et de recherche de résolution et de résilience des populations, tout en renforçant ses soutiens à l'OIM afin de lui permettre de mieux adapter ses stratégies à ces nouvelles causes de migration, car nous estimons que dans les efforts tant nationaux qu'extérieurs de prise en compte en charge de la question de l'immigration en rapport avec le changement climatique, dans le cadre des États ou dans le cadre des institutions internationales comme l'OIM, la prise en compte de ce phénomène humanitaire associé au développement et à la prise en compte effective des causes est nécessaire. Je vous remercie, Monsieur le modérateur.
Thank you, Excellency. Je vous remercie, Excellence. Nous avons encore trois orateurs sur notre liste. Le Brésil. Thank you, Chair. First of all, je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'OIM qui a organisé ce dialogue international sur la migration. La position du Brésil était par le passé que le lien se fasse avec les discussions concernant la convention cadre. Mais l'objectif fixé par l'OIM rappelle que c'est l'ensemble des règles régissant les principes consacrés par la convention cadre doivent être prises en compte tenu des différentes circonstances nationales. Le régime existant a un caractère universel et l'accord de Paris doit régir toutes les initiatives. Malgré la nature transversale de la question des changements climatiques, le traitement par les instances internationales en dehors du cadre concernant la convention cadre risque d'ouvrir la voie à des chevauchements, à des doublons. Et cela pourrait mettre en péril l'équilibre parvenu au terme des négociations autour de la convention cadre. Je vous remercie. Thank you. Next on our list is representative of food and agriculture. Je vous remercie, le représentant de la FAO en ligne. Hello. Thank you. I don't know if you can hear me. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Directeur Général et les organisateurs d'avoir invité la FAO à prononcer un discours liminaire ce matin dans le cadre de ce dialogue international sur la migration concernant ces défis qui se recoupent. Et je tiens à féliciter les préopinants d'avoir mis l'accent sur l'importance de tous ces événements, notamment la dégradation des écosystèmes, etc., qui ont des conséquences pour des millions de personnes et contribuent au déplacement et à la migration. Ces questions sont au cœur de l'action de la FAO. La FAO travaille à la croisée des changements climatiques, des systèmes agricoles, de la migration et de l'approvisionnement alimentaire. Et grâce à son expertise, la FAO aide les pays à faire face à ces crises croisées et à leurs impacts sur les systèmes agricoles. La FAO pense que cet événement, aujourd'hui et demain, permettront d'attirer l'attention sur ces questions et braquer les projecteurs sur les personnes particulièrement vulnérables du fait de leur dépendance aux ressources naturelles. Nous saluons le fait que l'attention soit portée sur les phénomènes climatiques extrêmes et sur les changements et ce que la communauté internationale ensemble doit changer pour prévenir le déplacement, compte tenu du fait qu'il y existe ce lien entre humanitaire et développement, action humanitaire et développement. Il faut également penser aux migrants et aux déplacés à l'intérieur de leur propre pays. En 2018, la FAO a estimé qu'1,3 milliard de personnes étaient des déplacés. Des actions urgentes doivent être prises. La FAO aide les communautés à mieux faire face aux risques en adoptant des pratiques s'adaptant au climat et en utilisant et en gérant de manière plus durable les ressources naturelles tout en restaurant les écosystèmes dégradés. Quelques exemples, El Salvador, les changements du climat, du temps, pousse les agriculteurs à migrer. La FAO travaille avec le gouvernement pour protéger les sources hydriques d'un million de personnes et annoncer la résilience climatique de nombreux paysans. Et cela se fait dans le cadre de mesures prises dans le couloir
SEC concernant l'agriculture à El Salvador. Il a déjà été question du mur vert, initiative lancée par l'Afrique pour combattre la désertification et lutter contre la pauvreté. Des acteurs de pays arides et semi-arides sont concernés. Plus de 10 millions d'hectares doivent être restaurés chaque année pour parvenir à la neutralité s'agissant de la dégradation des terres d'ici 2030. La FAO a apporté une aide sur ce projet, mais vise également à permettre un changement de paradigme, de permettre la restauration des terres, de permettre des moyens de subsistance durables pour les pays les plus exposés au changement climatique. En permettant de faciliter des mesures de restauration des forêts, en encourageant des produits non ligneux durables et en renforçant les institutions chargées du mur vert. Voilà quelques projets auxquels la FAO participe. La FAO est engagée et prête à travailler avec les partenaires et les pays pour combattre l'insécurité alimentaire, les changements climatiques et construire des moyens de subsistance durables pour les populations pour permettre que la migration soit sûre pour toutes et tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Dernier orateur, le Tchad. En ligne, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais bien évidemment, au nom de la République du Tchad, saluer l'ensemble des panélistes. Je voudrais également remercier le directeur général, Monsieur Cotterino, pour l'organisation de cet important dialogue en un moment tout aussi décisif. Monsieur le directeur général, le Tchad partage votre heureuse initiative d'associer la migration au changement climatique. Il y a en effet des liens manifestes entre la mobilité et le changement climatique. Au Tchad, l'augmentation du niveau des eaux des fleuves est aujourd'hui une réelle préoccupation pour le gouvernement. D'importantes quantités d'eau sont déversées, créant des inondations, aussi bien des espaces habités, mais aussi des espaces cultivables, privant donc les populations des récoltes, et ce qui annonce probablement des poches de famine par endroits sur la République du Tchad. À la date d'aujourd'hui, le niveau des eaux est de l'ordre de 7,5 mètres, encore que les eaux du bassin versant du sud continuent d'affluer vers la cuvette, située tout autour de la ville de N'Djamena. Et selon les prévisions des scientifiques, ce niveau est jamais atteint de mémoire. Et donc, c'est une réelle préoccupation pour le gouvernement. Mon pays souhaite profiter de la tenue de ce dialogue pour sonner l'alerte et dire combien nous sommes dans une situation d'urgence et appeler l'attention de la communauté internationale, bien évidemment avec la recrudescence des crises à travers le monde, la question de l'insécurité alimentaire sur l'ensemble des pays du Sahel, comme l'a mentionné mon collègue, l'ambassadeur représentant permanent du Niger, devrait continuer à être une préoccupation de façon à ce qu'on puisse éviter toute catastrophe humanitaire. Voilà ce que je souhaitais dire au nom de la République du Tchad. Je voudrais à nouveau vous remercier.
Thank you, Excellency. Je remercie Son Excellence. Nous avons la Fédération de Russie à présent qui demande la parole. Thank you for giving me the floor. We kindly ask. Merci de nous céder la parole. Nous demandons à nos collègues de respecter la nature neutre de cette réunion. Nous sommes persuadés que toutes ces tentatives de polarisation de la discussion ne contribuent pas au dialogue constructif qui, comme nous le comprenons, est l'objectif principal de la réunion. Ces déclarations et accusations sont beaucoup plus pertinentes dans d'autres plateformes internationales que nous avons à notre disposition. Nous estimons qu'aujourd'hui, certains pays essayent d'accuser la Russie de la crise alimentaire et rendre certains pays responsables de toutes les tendances négatives dans les marchés agricoles et les domaines alimentaires. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe, comme cela est illustré par des analyses poussées sur les sources de cette crise. Il est essentiel de bien injured sectors because of the global economic instability. The key point is that le point clé, c'est que ces problèmes internationaux sont à facettes multiples. Ils sont liés à un certain nombre de facteurs, et notamment la COVID-19 et ses conséquences. La situation des marchés alimentaires sont le résultat d'une tendance de 2 ans, notamment on connaît bien l'importance des chaînes d'approvisionnement sur le marché qui touche le Moyen-Orient, l'Asie et les Amériques ainsi que l'Afrique. Les attaques contre la Russie ont exacerbé la situation malgré la pression, le marché mondial continuera de s'acquitter de sa tâche sur le marché mondial dans le cadre de produits alimentaires, énergétiques et autres. Parallèlement, nous continuons de déployer des efforts vigoureux en ce qui concerne l'initiative de la mer Noire sur la céréale. En ce qui concerne les produits ukrainiens et russes, les engrais et autres. Nous rappelons le montage complet de cet accord, rappelons l'importance de veiller à la mise en œuvre réciproque de l'accord. Nous rappelons également l'importance d'établir des approvisionnements durables en Afrique, en Asie et en Amérique latine, pays qui sont dans des besoins critiques et sont menacés par la famine et l'insécurité alimentaire. Je remercie la Fédération de Russie. Nous n'avons plus d'intervention sur notre liste. Je rends la parole à notre DG, Monsieur Vitorino. Merci. Je vais être très bref. Je voudrais tout d'abord remercier tous les participants pour leurs contributions fort appréciées. Nous avons lancé ce dialogue pour d'abord attirer votre attention sur les différents angles de changement climatique et de la sécurité alimentaire. Oui, bien sûr, il y a des convergences, mais il y a des signes clairs, des interactions entre les différentes dimensions du changement climatique. Au final, il faut regarder cela de façon globale pour pouvoir recenser quelles sont les meilleures mesures pour faire face à chaque composante, qu'il s'agisse de l'augmentation du niveau de l'eau dans les océans. Il y a une conférence qui a eu lieu très récemment, qu'il s'agisse de désertification, qu'il s'agisse de pénurie hydrique ou qu'il s'agisse des risques et de la prévention des risques. Si l'on ne fait pas face
à toute la gamme de problèmes, nous n'arriverons pas à mettre en place les meilleures solutions pour garantir l'adaptation, l'atténuation et le renforcement de la résilience dans les communautés. Notre deuxième objectif était effectivement de vous faire comprendre l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Nous comprenons pleinement la discussion sur la réduction d'émissions 2030, 2040, 2050. Très bien. Toutefois, nous voulons attirer votre attention sur le fait qu'il y a des personnes qui, au quotidien dès aujourd'hui, souffrent d'ores et déjà des répercussions du changement climatique, chaque jour faisant. C'est pour cela que nous associons à l'initiative du secrétaire général sur un système d'alerte précoce, car il est clair qu'il y a une urgence. Toutefois, certaines régions connaissent cette urgence plus que d'autres. Il faut connaître ces points chauds qui doivent inciter notre riposte dès à présent. Et dans le discours du SG à l'Assemblée générale en septembre dernier, il a inclus 3 paragraphes sur les répercussions exactes entre la mobilité humaine, le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire. Donc, vous connaissez l'économie du rapport du secrétaire général. Avoir 3 paragraphes sur ce sujet démontre clairement le sens d'urgence que l'ESG lui-même ressent. Et enfin, pour terminer, ce n'est pas des moindres, le message est clair pour tous. Il faut qu'on travaille ensemble. Augmenter la coopération internationale pour faire face à ce défi. Si je puis me permettre un point à la fin de cette séance, veuillez transmettre à vos capitales le sens d'urgence et cela devra être inclus au titre national dans votre déclaration à la COP27. Sans cela, si vous ne présentez pas à Chamacher le message, le lien entre le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire et la mobilité humaine, nous allons rater l'occasion de renforcer la sensibilisation et de renforcer les liens de la communauté internationale au profit de ces pays qui sont de plus en plus dans le besoin de mesures d'adaptation, d'atténuation et d'augmentation de la résilience dans les communautés. Je vous en prie, joignez-vous à nous, HMHR. Thank you all. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'à 13h30, nous avons une manifestation parallèle sur les démarches sexo-spécifiques pour riposter face au changement climatique, la sécurité alimentaire et l'immigration. Et nous nous réunirons à 15h ici même.